ressuscité. Et alors? Christ est ressuscité, c'est Pâques. Et alors? On a pu croire que c'était la fin de la mort. Mais c'est comme un déjà et comme un pas encore. Pas encore quoi? Ça, je ne sais pas. Pour le déjà, je sais déjà. C'est pour une vie relevée, une vie réveillée, une vie révélée, une vie émerveillée. Une vie pour toi. Vivre déjà, ressuscité. Régler la question avec un tout petit mot, deux lettres, et c'est tout. Vous n'y pensez pas. Il vit avec moi, il est mon ami. Il me donne de la confiance, de la joie. Il me donne espérance pour ce monde. Il me rend heureux. Il m'aide à vivre et c'est super. Bonjour. On a un super message. Jésus, il est ressuscité. Ça tombe vachement bien parce que vu que c'est le Dieu qu'on prie, bah comme ça, nous, on prie un Dieu vivant. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Il est vraiment ressuscité. Vraiment. Non, mais vraiment, vraiment. Oh, c'est génial de se réveiller tous les matins et de pouvoir dire « Je suis vivant en Christ ». Jésus est ressuscité et ça change toute ma vie. Ça change ma vision du monde. Il l'a promis, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec moi. Alléluia. Christ est ressuscité. Pour toi, il a gagné. La mort est fracassée. Les combats remportés. Domination broyée. Les murs sont effondrés. Tu es autorisé désormais d'espérer. Christ est ressuscité. Alors avec lui, je passe de la mort à la vie. La vie éternelle. La vie pour toujours. Fini le confinement. Fini les enfermements. Les découragements. Chante avec moi, mon frère. Maintenant, je chante. Je chante le ressuscité. Je chante la liberté. L'éternité. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Et qu'est-ce que c'est qu'accepter le Christ, accepter cette lumière? C'est accepter d'être prêt. Vous avez les scouts, toujours prêts. Accepter d'être disponible, accueillir Jésus dans son existence, c'est spectaculaire. Il n'est pas ici. Pas là non plus. Moi non plus, je ne sais pas toujours très bien où on a mis mon Seigneur, mais je sais qu'il n'est pas loin. Il est vivant, il est ressuscité. Et nous? Christ est ressuscité. Oui, il est vivant, il m'accompagne tous les jours de ma vie et il me fait vivre. Mais ça n'a rien à voir avec les prétendues apparitions d'un Jésus ressuscité en chair et en os. Aujourd'hui, personne ne s'attend à rencontrer le Christ en chair et en os. Donc la résurrection du Christ est spirituelle et pas corporelle. Et je laisse les apparitions aux amateurs de textes mythologiques. Christ est ma vie. La vie, c'est bien souvent Koh-Lanta et que le meilleur gagne. Alors, quand on obtient gratis son totem d'immunité et qu'en plus il peut être partagé, ça permet de traverser les épreuves l'esprit tranquille pour propager son plaisir de vivre sans être pris par la peur de perdre. Joyeuse Pâques. Et alors? Oh, oh. Mais c'est la nouvelle la plus incroyable, la plus impensable, mais la plus géniale que j'ai jamais entendue. Pourquoi? Eh bien, parce que, tout simplement, cela me fait envisager la vie toujours d'un point de vue nouveau. Par exemple, comme ça. À chaque fois que la vie et l'amour prennent le dessus sur la mort, c'est la résurrection. Alors, joyeuse Pâques à tous! N'ayez pas peur. Voici la phrase qui, pour moi, résume tout l'évangile. N'ayez pas peur, car Christ est ressuscité. Dans un monde où c'est le mensonge qui prédomine, voici la seule vérité qui, pour nous, est importante. N'ayez pas peur, car le Christ est avec vous. Il s'agit de vivre ce qui est dit, et non pas seulement d'y croire. En plein milieu du cimetière, une fleur surgit et transperce les pierres. La résurrection est pour moi la force de vie. Par la résurrection, Dieu fait gagner la vie et a vaincu la mort pour que nous puissions vivre, déjà aujourd'hui. Chers amis, deux lettres.
chaos comme le chaos qui met à terre, car chaos en et autour de nous. Pâques, c'est le passage du chaos au ok. Jésus le ressuscité nous dit « Ok, lève-toi, avance et vis ta vie !» Jésus est ressuscité, donc il est là, avec moi. Voilà, tout le temps. Comment ça, il est vide le tombeau? Les miens aussi? Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Le tombeau ouvert représente, au-delà d'un phénomène extraordinaire ou encore surnaturel, un puissant appel à la vie. Et je crois que c'est dans ce changement de perspective que réside la force du message de Pâques. Pâques ne représente pas d'abord l'annonce d'une existence après la mort, mais la fête de la victoire sur la mort. Bonne fête de Pâques à tous et à toutes. Salut! J'ai 15 secondes pour dire que la résurrection de Jésus, c'est de la dynamique. Ça fait de chacun d'entre nous des acteurs de l'évangile, des ouvriers de la bonne nouvelle. Ça sert à rien, mais ça change tout. Pour moi, le récit du tombeau vide est un symbole très fort. Puisque coexistent le tragique, le vendredi, la mort, puis le silence du samedi, le silence de la mort, et ce tombeau désormais vide. Même la mort n'est pas confinée. Dans cette période tragique que nous vivons, eh bien nous ne serons jamais complètement confinés. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest, Hosanna, hallelujah. Il me dit, reprends courage, l'espérance est un trésor. Même le plus noir nuage a toujours sa frange d'or. Cela ne sert à rien que Jésus soit ressuscité pour chacun de nous, si cette joie n'est pas reçue et partagée. Alors, soyez tous, malgré ce que nous vivons, en ce moment, dans la joie de Pâques. Christ est ressuscité, il est vivant, alors vous, ne prenez pas le risque de mourir trop rapidement. Ça vaut pas la peine. Restez chez vous. Et alors t'attends quoi pour le dire? Une nouvelle comme ça, ça change tout. Ça change la vie, la mort, l'éternité, la maladie, la peur, le deuil, la joie. Les gens méritent de le savoir. Christ est ressuscité. Ça change. Ça change qu'on est moins triste. Ça change qu'on est heureux. Christ est ressuscité et rien ne change. Et tout est changé. C'est ce que dit par exemple ce haïku. À l'ombre des fleurs de cerisier, il n'est plus d'étranger. Ou encore cet autre qui me fait penser au Coëlette. Monde de rosée, rosée du monde. Et pourtant, joyeuse Pâques. Oui, le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Merci à toi, Dieu, de nous avoir donné Jésus pour toujours. Merci. Avec une telle richesse, à moi, à toi, à nous d'être porteurs de résurrection. Pour changer le monde, oui, choisissons la vie.